Oui, je suis en caleçon, je sais. On va faire une vidéo qui va sortir qui s'appelle Arma Team fait les pancakes. Oh, ça va tellement fou. Ça, c'est une tasse, c'est good ça. Ouais, je pense que c'est parti. Là, il faut deux tasses comme ça en fait, de lait, grosso modo. Ok. Ok, on a tous les ingrédients. Alors, tu mélanges déjà la farine et, la lune. Ok. Il faut deux tasses de farine. Non, pas les deux, pourquoi? C'est quoi? C'est en fait. C'est de la levure. Non mais attends, t'as pris de la levure, t'as pris de la levure boulangère, heureusement qu'il y en a là du coup. Ça va pas la levure boulangère? Ah non. Non, ok. La levure boulangère, c'est à froid, et la levure chimique c'est à chaud en fait. T'es théorique, ouais, mais prendre ça. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut dire que tu es coupable? Non. Et que, notre sentence est irrévocable? Je vais juste montrer, il y a du hasard. Ok, très bien. Bon bah j'espère qu'elle est pas périmée quoi. Honnêtement là c'est de l'impro hein. Vas-y, ça ira, t'inquiète. Vas-y. Combien de tasses il faut? Deux. Deux tasses de levure? Non, deux tasses de ça. Deux tasses de farine. Deux tasses de levure. On est en train de faire des pancakes là, mais la recette américaine du père de la mienne, vu qu'on est aux States, donc voilà. Donc en fait, comme on est aux States, on a décidé de mesurer en tasses et pas en grammes du coup, voilà. Oui, je suis en caleçon, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc personne, je suis chez moi là. Évidemment, je suis en caleçon chez moi. Et là, en fait, on sait pas si on a assez de lait, donc en fait, on est en train de mesurer le lait là. On a deux tasses, non? Non, on a pas deux tasses, mais c'est pas grave, il y a besoin d'une tasse 3 quarts, je crois. Qu'on a une tasse 3 quarts. Okay, on a une tasse et demi, grosso modo. Ouais, ça le fait. Donc, mais un peu moins en farine. Ok. Du coup, ensuite. Bah là tu mélanges juste ça rapidement. Oui, non, il y a pas de beurre. C'est vrai ? Et bah, le lait c'est déjà fait. Les œufs on les casse où ça ? Avec la farine ? Non, les œufs il faut les battre avec le sucre et le lait en fait. Ok, ouais. Avec quelque chose, on peut les mandiner sur. Avec du sucre d'érable. Pour que ce soit trop sucré quoi. Très bien. Ça me va. Je te dis, c'est des styles très différents. Hein. Oh, elle est trop bien la recette, franchement. C'est quelle recette que tu suis, Odé? La recette de mon papa, Paul Ledley. Voilà, vas-y. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est l'amour. C'est l'ingrédient secret. C'est trop mignon. Mais la fin. Il y a pas d'enjeu. On peut pas rajouter de lait, donc si jamais on n'a pas la bonne épaisseur. Ça va, franchement ça va le faire, parce que c'est pas. Tu vois, c'est épais, tu vois, mais. Là, normalement, ça doit faire. Je sais que ça va pas être. Ça va faire de la pâte, tu sais. Après, il faut que ce soit une pâte relativement épaisse quand même, pour à la fin. Et dites-moi, Odette, avec quoi nous servir ces pancakes? Un bon sirop d'érable. Un bon sirop d'érable. De la région de Torontaise. La région de Torontaise. Il est venu, il est désolé. Faut le faire de par deux en fait. C'est des œufs qui attendaient. Est-ce que vous voyez bien? Non. Putain, mais c'est mon PC! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Mais putain! Excuse-moi, mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Putain! Après l'arma cooking, le PC ne fonctionne plus. Non, mais le PC il est mort là! Il est pas mort! Il est tellement chaud, ça va faire du blanc d'œuf! Mais non, mais oh, le clavier il est mort. Mais il est pas mort, Jérémy. On va aller acheter un truc pour le nettoyer. Oui. Non, mais chaud. Et sur le F9, il y a de l'œuf qui ressort maintenant. Regarde l'œuf qui ressort, tu vois là? Hop, regarde l'œuf qui ressort du F12 aussi. Non, il y a de l'œuf dedans. La chair de la poêle est un peu bizarre. Hein. Oui, la poêle est chaude. Pas chaud, sinon ça va très bien. Ça. Laisse ta poêle. En fait, il y a un problème de cuisine. Attends, celui-là, on va peut-être le goûter le premier. L'intérieur est pas mal, pas tout à fait assez cuit, mais. Vas-y. Ah ouais, non, j'avoue que ça fait vraiment ricain à l'intérieur. Quoi? Ouais. Non, ils sont cool. Ils sont bons, normal. Est-ce que tu en veux, One? Hein, moi je veux bien goûter. On va donner un morceau à la caméra. Tu goûtes, Théo? Ça, c'est chaud. Tu veux du sirop d'érable? Ah oui, s'il te plaît, oui. Tu sais qu'il passe leur vie à jouer comme des gosses. Non! Odé! Odé, Odé! Ah, il a fait un autre appel. Allez! Mais non, mais c'est pas. C'est pas un garage, il l'aura ouvert. C'est pas un truc de force là, c'est. Ah, mais t'arrives pas à le. Je pense que même Valira le rouvre. Mais tu es faible. Mais je sais pas si ça se dévisse ou quoi. Regardez, il n'y arrive pas. Est-ce qu'elle a voulu? Si, merde, désolé, je me suis pas levé, je suis en train de. Ok. Moi, je vais en jouer, fais le compte, je suis honneur à ta réputation. C'est de la merde, très content. Laisse-moi.
tu penses là? Tu peux le repasser sur l'autre face. Je pense qu'on est bon là. Nav. Ah, c'est bien vrai. Ah, regarde-moi cette merveille. Pourquoi tu prends une coquille et tu me fais 10 heures du matin?